to carry away. Concerne le COVID-19, eh bien, nous savons tous que maintenant, il y a des vaccins qui sont en ligne, des vaccins qui sont un peu partout. Hein, voilà. Maintenant, nous allons nous demander, est-ce que nous allons prendre ce vaccin? Voilà. Évidemment, si vous nous suivez sur notre chaîne KFTV Radio, alors il est temps que vous aussi, vous pouvez vous demander la question. Et si vous avez de hic ou bien si vous avez des hésitations, voilà, hein, vous pouvez appeler et puis écouter, dire ce que vous pensez parce que c'est un problème qui est en train de donner des gens un peu de frustration, des hésitations, qui fait de telle sorte que exactement d'autres s'abstiennent, qui ne veulent pas prendre le vaccin. Il y a d'autres aussi, bien entendu, qui disent que non, nous allons aller prendre le vaccin parce que ça va de pair avec notre survie. Voilà. Toi qui me suis, vous qui me suivez en direct sur notre chaîne globale, excusez-moi, sur notre chaîne KFTV Radio, sur notre chaîne, voilà. Et aussi sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Global TV Régional. Et aussi sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur plus belle radio, voilà, la plus belle radio, voilà, c'est un peu ça, voilà. Voilà, nous sommes toujours ici ensemble avec vous et nous allons toujours essayer un peu de continuer, de nous demander des questions. Nous aussi ici dans le studio, avec le régie là, nous allons essayer de vous demander, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous voyez cette affaire-là? Est-ce que vous allez aller prendre le vaccin? Ou bien, est-ce que vous allez rester comme ça? Voilà, parce que il est inédit. Vous savez que prendre le vaccin, c'est aussi quelque chose, qui va de pair avec notre santé. Donc, s'il y a lieu de prendre le vaccin, alors n'hésitez pas à prendre le vaccin. Moi, je viens déjà de faire mon programme, excusez-moi de faire mon emploi du temps, d'où je suis sélectionné ce soir. Donc, voici Benoît, se dit que je suis allé prendre le vaccin. Voilà, je suis allé prendre le vaccin parce que déjà, là où je travaille, je suis constamment avec les gens, j'échange avec les gens. Nous utilisons les mêmes matériels. Tu peux t'accabler d'un marteau ou bien voilà un matériel comme ça et puis tu dis à l'autre donne-moi d'abord ton marteau et autres. Ben sans pourtant le savoir que peut-être qu'il porte ce germe ou ce virus du Covid. Donc il va falloir que nous nous préservons. Voilà, les dangers sont là. Et aussi à ceux-là qui partent sur
au supermarché par exemple, hein, tu ne sais pas celui qui est passé avant toi et qui est parti attraper le poignet et la porte du supermarché pour ouvrir. Hein. Par exemple, nous ici, c'est le 7-Eleven. Vous partez chacun à son tour, hein, mais tu ne sais pas. Aussi dans les pompes, voilà, aussi dans les pompes des on appelle ça les gaz stations, voilà, les gaz stations, hein, les stations, les pompages, l'essence, les pétrole, le gasoil et autres. Voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà, vous pouvez aussi aller là-bas. Parfois, il n'y a pas de protège-gants, hein, des gants en plastique jetables là. Parfois, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? En ce moment-là, il est important de se préserver. Hein. C'est vrai que ce n'est pas un médicament qu'on attend qu'on se dise. Non, le vaccin que nous allons prendre, ce n'est pas un médicament. Mais c'est plutôt quelque chose de prévention qui va te prévenir déjà, hein, qui va te mettre déjà en alerte au cas où tu rentres en contact avec ce virus-là. Tu fais une fausse manœuvre d'attraper quelque chose quelque part. Alors à ce moment-là, le vaccin intervient et c'est un peu de combattre ce vaccin. Et aussi, sans oublier, n'oubliez pas qu'il y a les gels de mains. Hein, il faut laver les mains avec des gels. Quand tu vas par exemple à la gare station pour acheter ton carburant, quand tu vas par exemple au supermarché, quand tu ouvres la porte du supermarché, tu sais pas ce qu'il est, celui qui était avec toi là. Quand tu vas attraper même le panier qu'on fait le marché avec là en plastique là, tu attrapes ça et tu sais pas. Certainement eux aussi ils sont trop busy, comme disent les autres, hein. Ils sont trop busy, mais ils n'arrivent pas réellement à désinfecter tout ça. Voilà, donc il va de pair, il va falloir que nous-mêmes nous puissions prendre les précautions. Et en ce moment-là, prendre les précautions aussi, il faut se décider. Alors, si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler sur 720-544-96. C'est au moment à laquelle où nous pouvons dire aux uns ou aux autres et donner la position que non, moi, ça ne me convainc pas de prendre les vaccins parce que ceci, cela, ça n'engage que vous. Voilà, ça n'engage que vous. Donc, nous vous attendons. Hein. Si vous êtes là, eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous et nous allons écouter vos réponses. Voilà, nous sommes là et nous allons continuer notre rubrique santé aujourd'hui. Voilà, comme je disais tantôt que moi, j'ai déjà commencé pour moi. Hein. J'ai déjà commencé pour moi à prendre le vaccin, donc je vais aller prendre pour moi. Si bien nous voyons deux fois, qui me fait quelqu'un vacciné, voilà quoi, tout le monde y a. Donc, voyez ce que ça fait. Voilà. Donc, je disais tantôt que si tu décides de ne pas prendre le vaccin, eh bien, mais c'est ton choix. Voilà. C'est ton choix. Le vaccin, en un mot, n'est pas obligatoire. Mais quelque part, ça va te rattraper si tu es en train de faire un voyage. Si tu es en train de préparer le voyage pour aller soit dans un autre pays, eh bien, à ce moment-là, tu vas réellement demander, on va te demander le vaccin, on va te l'obliger. Voilà, à ce moment-là, ça devient une obligation que tu dois prendre afin d'arriver au terme de ton voyage. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si vous nous suivez, hein, nous sommes là sur Plus Belle TV, hein, nous sommes là sur Plus Belle, la plus belle radio, hein, voilà. Sur Facebook et puis sur YouTube, vous pouvez aussi nous suivre sur Global TV Régional en différé. Et puis aussi, vous pouvez nous suivre sur KF Radio. Nous sommes là toujours avec vous ensemble. Ensemble avec vous, nous sommes là toujours en train d'écouter, hein, la musique qui va de Franco. Hein. Franco qui était en train de chanter avec Madilou System. Voilà. Chers amis auditeurs, si vous nous suivez maintenant là, vous pouvez nous appeler sur 720-544-96-39. Voilà, donc c'est... Et en un mot, hein, en un mot, nous allons passer une bonne trentaine de minutes avec vous ensemble. Et nous allons essayer un peu de comprendre vos suggestions, de laisser un peu de comprendre de quoi vous parlez, hein. Comprendre de ce que vous pensez en ce qui concerne le vaccin du Covid-19. Voilà.
Voilà, donc nous allons continuer toujours est-il. Nous allons continuer toujours est-il parce que il est temps. Voilà, nous nous émettons depuis Madouma. Hein. Si tu ne connais pas Madouma, ben, il faut demander. Voilà, je vous salue tous ceux de Madouma, hein. Je vous salue tous ceux de Mungunu Sud, je vous salue tous ceux de Mbinda, Mayoko, Tinguidi, Divenié, l'homme de la caille, le Mayombe, Obuesi, un peu partout au nord du pays. Je vous salue tous, c'est sur KF Radio TV. Nous sommes depuis, nous émettons depuis la ville de Madouma. Oui, pourquoi pas? Voilà, nous allons continuer notre émission avec toujours Franco, le grand maître, et nous allons suivre la musique Welcome to your bien wildest après. greatest Hein, donc, country, en ce moment-là, vous pouvez nous appeler pour donner vos suggestions. Oh, Mario. Comment vous pensez attaquer ou bien prendre ce vaccin? Est-ce que le vaccin, vous allez le prendre, vous attendez que ceux d'autres personnes puissent vous conseiller, ou bien ce sera votre propre volonté? Vous allez vous dire, ben, écoutez, moi, je vais essayer de prendre le vaccin, et puis je vais voir ce que ça va me faire. Voilà. Par contre, il y a d'autres qui sont trop hésitants. Hein? Il y a d'autres qui sont trop hésitants. Et voilà. À ce moment-là, il y a d'autres aussi qui ont dit non, moi, c'est sur ma survie, ma sécurité, hein, parce qu'on n'est jamais trop tard. On va, quand la maladie arrive, elle arrive, hein, parce que quand tu es malade, tu n'auras pas assez de temps pour que nous puissions intervenir le plus vite possible. Voilà. Donc, en ce moment-là, il va falloir. Hein. Merci beaucoup à mon cher ami, toi qui me regardes tout récemment là. Je te salue là où tu es. Si tu veux intervenir, hein, laissez-nous un message par le commentaire. Dis-nous ce que tu penses par rapport au vaccin. Est-ce que tu peux prendre le vaccin ou tu ne pourras pas prendre le vaccin? C'est deux choses différentes. Tu peux nous appeler sur le numéro de WhatsApp, hein, 720-544-96-49. Voilà, ou tu nous laisses un message simplement et nous allons lire ton message. Donc nous disons que cette fois-ci, nous allons voir. Il y a d'autres qui disent que non, il n'est pas important. J'attends d'abord. Et puis, nous allons voir comment ça va évoluer. Mais évidemment, c'est vrai, tu as raison. Les avis sont partagés. Mais sauf que les gens aussi, un grand nombre de gens qui s'efforcent à prendre le vaccin et qui est en train de se protéger. Voilà, simplement, de se protéger. Et puis, évoluer toujours comme ça. Mais dans ça aussi, je voulais vous dire que quand vous prenez le vaccin du Covid-19, ben, le port de masque n'est pas exclu. Donc, quand nous prenons le vaccin du Covid, mais évidemment, il faut continuer à porter le masque. Parce que quand tu restes près des personnes qui présentent des symptômes ou bien près des personnes qui ont ce virus, qui ont cette maladie-là, alors, subitement, même si tu as le vaccin, certainement ça va t'arriver et ça va t'attaquer. Surtout quand tu as un système, un organisme très, 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 très moins acceptable. Voilà. Donc, il va falloir que nous puissions réellement continuer à porter le masque, je voulais dire, hein, porter le masque qui fera de telle sorte que nous puissions, hein, être toujours protégés. Voilà, nous devons toujours protéger. Voilà, donc c'est cela. Voilà, chers amis auditeurs, si vous nous suivez, nous sommes sur KF Radio TV, hein, la radio du futur. Voyons.
Voilà, donc nous allons essayer un peu, hein, aussi, voilà, nous sommes congolais et nous avons notre langue, hein, nous avons d'abord les trois langues nationales, voilà, nous avons les trois langues nationales et nous sommes fiers de ça, voilà. Donc cette fois-ci, je vais essayer un peu de kuzunza, hein, donc wapangia, donc même ben kena bwalukuna, hein, même ben ke kwaku, vaccin KV obligatoire. Mais il y a que van obligatoire na ba tango mosi de ba moment mosi yini vraiment que tal que non ngema se voyager ngema se kwa na bwele kaka bwele bundenza mais na ku traverser frontière ou bien na ku monter na avion ou bien na ku baka camion qui peut c'est exemple qui faut ni par exemple si qui m'assez baka camion na betu ngeka na kwena na frontière d'abord et puis ngema se traverser ngeka na kati ya bus. Parce que quand on a un bus qui est frontière Gabon là-bas, et puis. Mais arriver dans la frontière, mais il y a tel que le militaire n'a pas battu la santé. Ah non, il y a tel que si on va enlever un certificat ou bien on va enlever un vaccin, il y a tel que on va enlever un vaccin avant qu'on ait boire les bangs là-dedans, mais il y a tel bloqué. Donc, subitement, même si on a là, si tu y a vendre business ou bien vendre tamboula ou bien vendre connaissance bah vacances vraiment quelque coin d'y parce que quelque fait un certificat ni qu'on côté que vendre maintenant obligatoire, voilà, ni qu'on côté que vendre obligatoire. Mais si on tel que non bon qui a une boîte ou qui bouge vers qui fait la place au coin d'ah ben il y a quelque obligatoire. Mais quelque part na côté moi c'est simple si bien que parce que il faut que vendre plus d'or. Voilà pourquoi il y a un ennemi aussi invisible. Il y a un ennemi invisible, donc il faut que vous quelque vrai aux aguets. Hein? Il faut que vous vrai aux aguets pour que au moins vous vendez épargné. Vous vendez épargné dans la maladie de Mekuzayaï. Voilà, donc maladie de Mekuzayaï, il y a un ennemi invisible. Il y a un parfois, bon, il y a un park and shop. Voilà. Nous avons un exemple d'Olizi ou bien la Wesso. Voilà, exemple pour ça. Bon, nous avons un parking shop. Avant que nous avons un parking shop, nous avons un parking shop. 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 Nous avons un Libanais ou bien un Mauritanien. Nous avons un parking shop. Nous avons un parking shop. Nous avons un parking shop. Si mutina kena ya ou kena malagi ngo si lenge kwa nkuna na kidiba ngebo kwa simba. Oh God, yake pasi, voilà, yake pasi. Chers amis auditeurs, si ben le boukil betou na 720-544-96-49. Vraiment, yake sal bien. Parce que, mambia, il faut y avoir au moins large diffusion. Yase yake pasi. Yake va nous faire avoir large diffusion. Voilà. Donc ngi na kidiba hein ngi na katuka na weso kuna ti na pata viti ngi me traverser mko na le poule ngi me traverser ma mangi que sous charger essence dès que ngi kuna katia Brazzaville ngi ko la pompe ngi que ça veut monte simba et poignée à pompe na kutu ngi pompe katia camion ngi be ko kuna ngi me compte tout le cas du boko ngi me simba mais surtout que je ne sais pas, je doute fort si ma gants plastique à jeter là, il y a qui n'a pas de station et bien sûr, il y a qui m'a déjà pourvoyé qu'il y a déjà tout le temps dans ma bande. Je pense pas. Voilà. Nassia Kevé, Ingo, si n'a pas de manger, ça va faire tirer. Ou bien qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé. Tu es obligé de faire caca et de poigner dans un camion et pour tous les sens. Et puis, qu'il me continue de là. Mais minute aussi, quand aussi, il commence à gratter maintenant quoi que moi, bon, tout là. Bam! Ah, ça c'est compliqué, mes chers amis. Voilà. Nous sommes là directement, toujours sur les montagnes de Madouma, quelque part sur les montagnes de Madouma là-bas. Hein? Si tu viens là-bas, tu vas nous trouver là-bas. Voilà. Yatapita, mandi oube. Voilà. Donc c'est un peu ça, chers amis. Yakenifosina, vu de telle sorte que. Il y a une semaine, si c'est 5 jours, je me sens déjà fièvre, fatigue.
y a quelque chose zoza que y a qui n'a pas symptômes y a pas lu, c'est-à-dire quelque temps la moi ma courbature côté ma nous tout vous canard quoi ou n'a pas cheville n'a pas coude bah les muscles passifs côté la main parfois on a sentir bien avec goût à qui ma bête nous ça déjà hein parfois bah quelque chose zoza même pas ou à quelque chose na kumbu bête na kumbu ou à quelque na kumbu kaka coronavirus comme mais faut pas zonzi bête de bah symptômes y a qui va fausse. Et de sur quoi nous que l'outil en français c'est ce qui n'est pas bien nous que l'outil en français parfois on est dans bagage nous avons en français qu'on a mais en français pour la moi na boire c'est pas parce que nous tous en français c'est pas parce que nous tous en français donc mais c'est le moment effort on a pour expliquer réellement hein c'est le moment effort on a pour expliquer réellement quoi faut suivre quel outil là quoi faut suivre quel outil là voilà donc si bien t'as là de telle sorte que il y a beaucoup ma façon aussi vraiment que ma s'est senti ma courbature fièvre coup poussé à sec qui n'a et puis n'a quoi n'a éternué à toute fois grippe ma s'est basique et tout passé à là à ce moment là il faut se dire que il faut vraiment débattre ma précaution dès ma première signe y a malade en gros y a Covid 19 voilà. Donc il y a qui s'arrêter avec kaka na ku éviter ya ou na ku pesa mboti na coude ou bien je sais pas donc essayons un peu d'aku s'abstenir et quand bagaza na ku s'abstenir ni ku vanda moi distance aussi hein il y a que aussi faisons moi si vous êtes devant vanda kaka na inzo hein devant na ba inzo et puis c'est vrai ngai d'aku visite, moi quand on visite, on parle du club. Mais il y a quelqu'un qui avait l'habitude, il faut savoir qu'on y va dans la collade, dans les bisous, il y a un jour quoi, quoi. Non, il y a qui va nous passer. En ce moment-là, c'est très, très simple, t'as mis une vie de mes voyages. Voilà. Donc, je vais vous dire que je suis dans l'émission. Si vraiment, le jour que la cuisine, quelqu'un qui a une proposition, la carte Facebook, je vais vous dire que je suis dans l'émission. Plus belle, on est sur Facebook, c'est une plus belle. Ou bien demander amitié sur Facebook, nous qui répond et puis la technicien qui est là face, mais que ça va être en contact avec la cousine de Prokamongo, tant mieux. Voilà. Donc nous voulons dire que nous aussi, là, maman bien y a qui compliqué, y a qui ennemi invisible. Bon, nous même pas qu'il y a une décision, nous pas qu'à une décision depuis semaine passée. J'ai dit bon. Mon bac rendez-vous, beaucoup de tabou le tombe. Mais allez, beaucoup de tabou le tombe. Beaucoup na, ah, ma frère, ma panne, ma diamant. Si bientôt là, deux semaines, une semaine, un mois, beaucoup na paraît déjà venir bientôt la bino. Ah, bien nous ça vraiment. Y a un dia, moi beaucoup me compliqué parce que bah réseaux sociaux aussi qui est bien, mais y a que imbi. Bah qui n'est pas aussi bah sangoumou si a bien, mais y a kaka bah sangoumou si a imbi. Plus ma panne beau ma veille. Y a pas une veille. Et que façon pes ce ça longi ça pang ndi là hein ndi là une que tout droit ndi là une que tout droit une que ça là de telle sorte que y a une bac à décision à yane mosi voilà y a une bac à décision à yane mosi si y a une que la sûreté y a une que non je ne vois pas là où je vais non que je vais malade na tout là ça c'est son choix ben bien bac choix yane et puis bon la vie continue donc c'est cela. Maintenant, si Ben Kenatala aussi que Minitina et moyen Kevin, il y a que ça là de telle sorte que du combat vaccin par exemple dans Brazzaville, voilà, ou bien respecter la distance, respecter dans les églises, parfois c'est vrai, par exemple dans les églises, mais c'est pas compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Les églises, les banques qui ont fait ça, ils 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 ont fait ça. Voilà, donc c'est cela. Donc il faut mettre Vanda un peu aux aguets. Nous allons essayer un peu de partir encore en musique. Hein. Nous allons essayer un peu de partir encore en musique jusqu'à ce que nous allons. Nous allons essayer un peu d'aborder bien avant, mais c'est quoi la fin. Hein? Nous passons directement
et 30 minutes avec vous ensemble, hein, avec vous ensemble 30 minutes. Chers amis, je vous demande juste de partager la vidéo. Il y a qu'il faut somme aussi, il y a qu'on supporter. Voilà. Mais qui était là parfois, ma chaîne, quelqu'un qui a demandé Bongo, bénéficier à quant de temps. Ça, c'est eux. Voilà. Mais Beto, non, moi, équipe Beto, nous avons décidé de vous demander une aide, caca, de partager la vidéo hein, sur YouTube. Vous partagez ma vidéo et bien nous aimez la page, bien sur la page Beto, la pouce, et puis appuyez la côté à sonnette bleu, sonnette Kuna. Et puis, ça va aller. Voilà. Ça, c'est ce que nous demandons comme contribution. Donc nous sommes vers la fin, hein. Merci beaucoup hein, à ceux-là qui nous ont assistés. Boule, sangolo kolanka ke na matoye, epe singa ni boma na zangi ni kambonga na sala, mbongwe loko pamba, teko kiko somba ni wate. Ya boule oh, lobi na pasi otalinga oseki, opeke singa ikole lae, kasola kakinga okobika, zoko yema toza liko kende, oko singa neko kosa, na ke ikola lae okati motema, atali lo basuka, jose o me chante o mama. Merci à Lukolela, merci à Mbandangou, merci à Kivé. Voilà, cette fois-ci, je salue Sapus directement à Colmar, le transitaire le plus reconnu. Voilà, je salue Sapus, Sapus, mon ami. Big up à toi, je te salue là où tu es là-bas, merci beaucoup. Là. Et cette fois-ci, nous allons continuer notre rubrique encore à partir de 16h, nous serons encore en ligne. Et si vous voulez participer à l'émission, et nous allons laisser notre numéro de téléphone et puis prenez votre téléphone à appeler sur WhatsApp. Voilà. Nous sommes là toujours dans notre public. Et à 16h, nous allons recevoir. Eh bien, nous allons être ensemble avec vous. Et nous allons continuer notre émission qui s'appelle Commune et Constat. Voilà, l'émission est toujours là, Commune et Constat. Nous allons essayer de rentrer en contact avec ceux-là qui veulent bien parler de nous. Salutations à vous, vous êtes qui êtes là-bas, nous sommes ensemble. Notre page Facebook, c'est voilà. Merci, voilà, nous sommes toujours dans les montagnes de Madouma. Hein, voilà. Si vous venez dans les montagnes de Madouma, là-bas, vous allez nous trouver là-bas. Nous sommes là-bas et nous avions fait un grand voyage de Madouma en passant par Paris jusqu'à Pédéglon-Sam. Allez, dis, voilà, au Pédéglon-Sam, voilà, nous sommes là. Et salutations à tous les Congolais qui nous regardent cette fois-ci maintenant. Hein, merci, je vous salue et je vous dis merci beaucoup. Nous sommes à la fin, nous avons passé 30 minutes avec vous ensemble. Et si vous avez des suggestions, laissez les suggestions sur les commentaires de notre page et aussi sur YouTube. Vous pouvez donner vos avis et les suggestions.
sur les commentaires. À ce moment-là, nous devions savoir comment il vient avec vous. S'il a changé, on va changer. S'il a amélioré, nous allons améliorer. Et il est temps que nous puissions continuer en musique avec Franco, avec Simao Macias. Nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup. Can't be away.